Mes petits cookies, bonsoir, comment ça va? Et bienvenue dans le petit rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, on va faire un des concepts que vous adorez sur cette chaîne, c'est regarder les TikTok les plus créatifs du moment. En gros, on va regarder des trucs et on va dire « Waouh, ils ont beaucoup trop de talent ». Et ça va être incroyable, ça va être trop satisfaisant. Regardez par exemple ça, c'est un TikTok qui a fait 9 millions de vues la semaine passée, et pas pour rien. Donc là, regardez, il a une petite lampe en forme de lune et un petit bateau qu'il tient dans les mains. Et avec un seul filtre TikTok, il crée une peinture qui est magnifique. Regardez ça, hop là, il enlève la lumière, il met une lumière bleue, il fait des reflets. Et regardez comme c'est stylé. On dirait une vraie peinture. Déjà moi, peindre avec des pinceaux, j'y arrive pas. Alors le mec, il peint avec un filtre TikTok. Comment c'est possible? Prochain TikTok, ça a choqué tout le game. Ce mec dessine uniquement avec des chiffres. Regardez ça. Ça a l'air très bizarre dit comme ça, mais vous allez tout de suite comprendre. Donc là, il met un petit 2020. 2020, 2020, voilà, regardez ça. Je sais, là, t'es en train de te dire, ça a l'air éclaté. Le résultat final, frère, quand je l'ai regardé, j'ai pété mon crâne, d'accord? Donc là, il complète tout plein de petits 2020. C'est que des 2020 qu'il fait. Et regardez ce que ça donne. Oh, mais what? C'est une meuf avec un masque pour le Covid et tout. J'adore, trop stylé. Enfin, j'aime pas les masques, mais j'ai... Enfin, t'as compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Il dévisse un truc, il enlève... Il y a vraiment que les artistes pour faire ça par contre. Le mec enlève une partie de son interrupteur pour le peindre. C'est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il est vraiment en train de peindre un bout de sa maison. Et le pire c'est que c'est magnifique. C'est trop beau. Regardez, c'est un interrupteur pour sa maison. C'est trop stylé. Faire de l'art avec du scotch. J'y crois pas, j'ai envie de voir ça. Il colle des petits bouts de scotch, ok. Tu peux pas faire de l'art avec du scotch, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que... What? Donc c'est un truc où il superpose des couches et quand il le passe sur la lumière, ça donne ça? Mais frérot, mais on n'a pas le même niveau. On a clairement pas le même niveau. Prochaine vidéo, ce mec-là, c'est un génie. Il prend des personnes qui sont dans des cartoons ou dans des dessins animés et il les transforme en personnes sexy. Voilà le cartoon. Voilà la personne en vrai. Voilà le cartoon. Voilà la personne en vrai. Voilà le cartoon. Voilà la personne en vrai. Le cartoon, la personne. Le cartoon, la personne. Comment tu fais? Pourquoi ils ont tous autant de charisme? Je suis plus hétéro là. Ça y est. Regardez, même le petit ours, il est devenu beau gosse. Bob l'éponge. C'est plus Bob l'éponge, c'est... Bob l'éponge. C'est ça, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Il y a un petit sous-entendu dans ce qu'elle fait, mais c'est pas grave. J'ai l'esprit mal placé peut-être. J'ai l'esprit mal placé. Ça a l'air trop satisfaisant, par contre, de faire ça. Ah! Ah, ça me perturbe comment elle fait des petits trous comme ça! What? Comment elle fait ça? La meuf, elle a crafté un bol qui pourrait être un bol dans lequel tu manges et tout ça en 10 minutes. On n'a pas le même niveau du tout. Faut que j'arrête de dire ça. Non, en vrai, je trouve ça trop satisfaisant, j'aime trop. Toi, quand tu te fais chier, on est d'accord, tu vas sur YouTube ou sur TikTok, bref, tu vas pas commencer à dessiner sur toi-même. Bah, cette meuf, quand elle se fait chier, elle se dessine. Genre, elle prend sa jambe et elle se dessine tranquillement. Regardez ça. Ça doit pas faire mal de ouf. Genre, de mettre un pinceau comme ça sur... Ah! Par contre, ça a l'air très stylé. What? Ok, c'est incroyable. C'est incroyable. Je lui fais l'amour, il n'y a aucun problème. Je rigole. Évidemment, je rigole, c'est une blague. Mais c'est magnifique. C'est super esthétique, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, sincèrement. Petit rappel, évidemment, il reste plus que 3 vêtements de ma toute nouvelle collection de vêtements. Alors, si tu veux en commander un, fais-toi plaisir. T'as une chance que je vienne livrer le vêtement chez toi, d'ailleurs. Voilà. Je te rappelle, tu en fais ce que tu veux. Les vêtements sont incroyables. Lien en première ligne de description. On continue. Cette vidéo a fait 500 000 likes. Je sais pas pourquoi. On va voir ça tout de suite. Oh! Je sais pourquoi! Il y a un raton! Il y a un petit raton! Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peint un carré Minecraft? C'est un cube Minecraft, on est d'accord, non? Oh, c'est une table d'enchantement, je crois. C'est trop bien. C'est trop chaud, c'est trop bien. J'ai envie de voir le résultat final. J'aime trop. Regardez ça, et c'est tellement satisfaisant de le voir faire ça. Waouh! En fait, depuis le début, il fait plein de petits cubes Minecraft et tout. C'est incroyable, les gars, s'il y a des abonnés qui font ça, envoyez-moi ça tout de suite. On a une étagère là-bas à remplir, en plus, il y a une étagère qui est un peu vide. Envoyez-nous des trucs Minecraft, let's go. Prochaine vidéo, qu'est-ce que... Ok... Qu'est-ce qu'il fait?
J'ai peur. Ça fait peur. Ça, je comprends pas ce qu'il veut faire en plus. Mais il y a moyen que ça soit stylé en vrai. Il y a moyen que ça soit stylé. Je crois que j'ai compris. Oui, j'ai capté ce qu'il veut faire. Je crois qu'il veut faire d'un côté avec de la peau et de l'autre côté sans peau, genre. Waouh, waouh. Ok, c'est carrément stylé. Les personnages d'Among Us dessinés en tant que femmes. Oh, je suis hyper... C'est hyper pervers ce que je viens de faire. Désolé. Qu'est-ce qui... Ok, donc le personnage bleu donne... D'accord. Non, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est... Je... Son numéro. Incroyable, j'adore. Si vous n'avez pas d'idée de dessin à faire dans vos carnets de cours, regarde ça, c'est incroyable. Il a fait plein de petits dessins de cartoon. Wouah. Ça a l'air trop satisfaisant en plus. Oh. J'aime trop. Je pourrais regarder ça toute ma vie, les gars. Par contre, je suis déçu, le TikTok s'arrête là. Je veux la fin, là. Je veux le résultat final. Dans la même catégorie, il existe des gens qui modifient des emojis pour faire des autres emojis. Et le résultat est bluffant. Regardez ça. Donc, il prend un emoji clown, tranquillement, il le colorie un peu. Oh non. C'est un clown triste. Non. C'est pour quand tu te fais prendre pour un clown, mais que t'es triste. Genre, mettons, ta meuf, elle te trompe. Bah, du coup, t'es triste, mais en même temps, t'es passé pour un clown. Parce que, frère, c'est bon, quoi. C'était une comparaison un peu pas ouf, on est d'accord. Dans cette création artistique, il y a 188 pièces. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que... Je suis trop curieux, je sais pas ce que ça va donner. Mais ça a l'air très satisfaisant à voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je suis en train de regarder ça vraiment au premier degré tellement c'est satisfaisant à voir. Est-ce que c'est un œuf? je sais pas ce que c'est. Mais quelle est cette chose? Mais quelle est cette chose? On sait pas. On sait pas ce que c'est. Ah, c'est putain. Ah, oui, waouh, j'ai compris. C'est un pélican. Non, un cygne, pardon. Cygne, animal. Regardez, je sais pas comment on écrit un cygne. Mec, tu sais comment on écrit un cygne? Un animal? Genre, tu sais, les cygnes dans les dans l'eau. Quoi? J'ai écrit cygne, genre. Peut-être avec un gec. Un sign. Mais t'es ouf, mec. Un sign. En vrai. Un sign. En vrai, ce serait stylé, mais c'est pas ça. Ouais, mais c'est ça. C'est, je pense que c'est lui, moi. Avec ah oui, cygne. T'as raison, mec. Oui, mais. Let's go. C'est un signe. Voilà, c'est un miracle. C'est un signe, on est d'accord, le truc. Prochaine création. J'adore ce concept. Il est tellement apaisant, genre, comme concept à faire sur ma chaîne secondaire, j'adore. C'est un des trucs que je préfère faire vraiment. Et vous adorez aussi, donc ça me fait trop plaisir. Waouh. Ça me donne trop envie de peindre. Je sais pas, de faire de la peinture, de... Par contre, ça a l'air éclaté ce qu'elle est en train de peindre, je sais pas ce qu'elle fait. En plus, elle a dépassé, oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il... Il est en train juste de faire des bandes, on est d'accord, il n'y a pas de fond. Mais c'est très satisfaisant à voir quand même. C'est un drapeau LGBT? Friends? Oh, c'est un drapeau LGBT, je crois. Ou LGBTQ+, enfin, je sais pas, mais c'est trop bien. Incroyable. Trop cool. Après, je suis pas expert, donc je sais pas trop, mais trop bien. Je sais pas si vous avez déjà vu ces créations à lui, mais elles sont beaucoup trop belles. Regardez bien. D'abord, il met une sorte de substance bizarre. Il met de l'eau. Ça fait des bulles. Ensuite, il met des coquillages. Et regardez ce que ça donne. Un petit bocal dans lequel t'as l'impression que c'est de la mer. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve ça trop trop beau. J'aimerais trop en avoir un en studio. Celle-ci, à tout moment, vous pouvez la faire chez vous. Elle est vraiment trop cool. Regardez bien. J'ai des petits ronds. Donc là, c'est toujours des petites structures très simples à faire. Mais le résultat final est ouf. Regardez bien. C'est incroyable. C'est un petit bonhomme, mais genre que avec des petits dessins à l'intérieur. Enfin, c'est trop trop beau. Genre esthétiquement à regarder, je trouve ça trop magnifique. Je suis trop gentil aujourd'hui, je dis tout que beau. Mais en vrai, c'est vrai, il y a tout ce qu'on regarde aujourd'hui est trop beau. Mon petit ami était triste, alors je lui ai fait cette peinture. Oh là là.
Oh, qu'est-ce qu'elle lui a fait comme peinture? Je suis trop intrigué. Attention, donc là il fait le fond en blanc. Elle met du rose sur un petit chien. Sur un petit chien triste. Attends, ça a l'air hyper réaliste par contre, ça a l'air super bien fait. Oh là là! C'est un petit chien tout triste! Après, je trouve pas que la peinture elle est ouf. Je m'y attendais à mieux, je vais pas te mentir. Je le dis honnêtement, voilà, entre nous on est honnête. On n'est pas honnête, on est honnête. N'est-ce pas, Baby Yoda? Wesh, tu veux pas me laisser tranquille, frérot? Ouais, ça va, ça va, ça va, c'est bon, c'est bon. Trop chaud TikTok! Ouah, la meuf elle est trop mignonne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de. Des fleurs? Oh, c'est un coucher de soleil avec des cactus. Oh, c'est trop chou. Oh, c'est la meuf qui est chou. Pardon, j'arrête, faut que je me calme, frérot. Moi, à part ça, je sais pas vous, j'aime trop les meufs qui correspondent pas aux critères de beauté de la société. Est-ce que je suis seul à être comme ça? Genre, c'est pas des meufs genre en mode top modèle ou, tu sais, les meufs qui ont genre 4000 abonnés sur Instagram parce qu'elles sont trop fraîches et tout. Moi, j'aime bien les meufs qui sont un peu différentes, genre, tu vois. Parfois timides ou un peu rejetées ou qui correspondent pas vraiment aux normes, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'aime trop. Info random, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que... Waouh. En vrai, il y a un mood, hein. Il y a un vrai mood dans son dessin. En vrai, il y a un mood, hein. Il y a un vrai mood dans sa peinture. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est validé. Oh, un cœur. Remplis-le en entier. Remplis-le en entier, sinon je vais m'énerver. Remplis-le jusqu'au bout, sinon je vais m'énerver. Et ne dépasse pas. Ne dépasse pas. Ne dépasse pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Let's go! Let's go, mec! T'es un bon! T'es un bon! tu me tapes plus jamais comme ça, frérot. Pardon, 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 pardon.